Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Donc, ce sera sur les tomes 2. Donc, je fais une vidéo ici, maintenant, avec ce fond-là. C'est pas chez moi, parce que j'ai pas lu les autres livres et qu'il y a un livre qui est ici et je peux pas l'amener chez moi. Mais il faut que je vous raconte, enfin, que j'ai lu le deuxième tome ici et le premier chez moi. Mais il faut que je vous parle de ce livre. Je veux commencer avec Minty Pocket et les enfants sans nom. Ensuite, ce sera Le Grand Saut 2 et Divergent, donc du coup le tome 2, vous l'aurez compris. Donc là, j'ai Mimsy Pocket et Les Enfants sont nom de Jean-Philippe Arouvigno, mais le premier tome s'appelle Magnus Million et le dortoir des cauchemars. Donc Magnus Million, c'est un garçon, il a 14 ans, son père il est riche, c'est un des hommes les plus riches de la Silmarillerie, donc c'est le petit état où ils habitent. Et lui, il souffre d'une maladie. Donc un matin, il n'arrive pas à se réveiller, il va être en retard alors que le directeur est vraiment ponctuel et qu'ils ont une grosse évaluation. Du coup, il décide de prendre un manège pour descendre dans la ville basse de Frique, il me semble que ça se prononce comme ça. Et il va se prendre 1341 heures de colle. Donc du coup, on l'envoie au dortoir avec les petits, enfin avec les pauvres. Là, il va se passer des trucs. Ils vont faire une visite médicale et certains vont être dans un cas de rougeole, mais ils soupçonnent quelque chose d'autre. Et entre-temps, ils rencontrent un personnage bizarre qui aide à sortir la Sirlérée de ce mauvais pas. Et il va pouvoir compter sur une amie, donc qui s'appelle Mimsy Pocket. Et elle est toute petite, elle a 13 ans et il va découvrir que en fait elle est vachement forte pour sa petite taille. Le deuxième tome, il est vraiment. On a un chapitre c'est Mimsy, un chapitre c'est Magnus, c'est génial. On sait pas. Enfin, au début, j'ai déjà eu des livres comme ça, donc moi ça m'a pas vraiment choquée. Il y a rien qui m'a choquée, juste la fin. Enfin, j'ai pas découvert la fin, mais j'ai su que ça finirait comme, enfin, comme ça. Il y a un truc que je savais que ça se finirait comme ça, je sais pas si vous comprenez, mais si vous lisez le livre, vous comprendrez. Et je sais pas si c'est parce que j'ai lu beaucoup de livres et que ça se finit généralement comme ça. Je m'étais attachée au personnage de la fille, un peu mon garçon, parce que je le trouvais un peu trop trouillard. Après, le garçon, il se bat pas vraiment non plus pour sa place, donc franchement, il y a des fois, je me dis, il devrait vraiment y aller, mais bon, j'y peux rien, c'est un livre. Sinon, j'ai trouvé que le deuxième tome était meilleur que le premier. La fin était beaucoup mieux rédigée. Parce que moi, c'est la fin qui m'avait dérangée. J'avais pas bien compris pourquoi les personnes avaient fait ça. Pour moi, ça avait pas de sens. Donc, du coup, là, ça a un sens. Même si on n'a pas vraiment. Enfin, il y a un passage où j'aurais bien aimé que ce soit vraiment expliqué. Donc, j'espère que ça vous dérange pas trop la lumière dans ce coin-là, là, plus précisément. Et les changements aussi, parce que je vais essayer d'en faire le moins possible. Mais désolée. Donc on va parler du coup du Grand Saut de Florence Inkel. Donc c'est le Grand Saut 2, vu qu'on est toujours dans la série tome 2. Donc ça parle de 6 amis, Marion, Iris, Rebecca, Paul, Alex et Sam. Donc j'en ai pas oublié, il me semble. Ils sont en terminale et ils se sont rencontrés quand ils étaient en 6e. Et il va se passer plein de trucs dans cette terminale. Donc on est au début. Donc septembre, je crois que ça va jusqu'à octobre, on a que 2 mois. Et il est vraiment bien ce livre parce qu'on a la date et l'heure et il y a plusieurs façons de voir les choses avec les six personnages. Donc on a les six personnages mais il y en a un toujours qui est un peu plus approfondi que les autres. Donc je sais pas s'il y a six tomes justement pour qu'il y en ait un plus approfondi ou si c'est pas du tout fait exprès. En tout cas moi j'aime bien. J'ai un peu moins J'ai préféré le 1 parce que tout simplement... On avait commencé et je me suis attachée à la personne avec qui elle racontait le plus d'histoires et la deuxième ça m'a pas vraiment plu. Mais l'histoire est plus plaisante que le 2, enfin que le 1. Je sais pas si vous suivez, mais en tout cas moi j'ai compris. Donc celui-là il est recommandé, en plus j'adore les livres de Florence Inkel, enfin je trouve c'est bien écrit, c'est facile à lire. Donc pour ceux qui ont des difficultés, même ça se lit en 3 jours, enfin même pas. Donc ça, même pas, vous le lisez vraiment rapidement. Et ça qui est bien parce qu'on a vraiment envie de savoir la fin, c'est accrocheur. On continue avec la série de Divergent. Donc là, c'est le 2 de Veronica Roth. Je sais pas du tout comment ça se prononce parce que j'ai vu aucune vidéo sur YouTube. Donc ça va grave, je vais vous raconter l'histoire. Donc c'est l'histoire de Béatrice. Elle vit dans une ville où il y a 5 factions. Donc 5, on va dire, un peu toujours de clans. Et ils se partagent le pouvoir, oui, ils se partagent le pouvoir et ils ont chacun un caractère bien propre à eux.
Donc, ils sont nés dans une famille, par exemple, dans un clan, et ils peuvent choisir d'aller dans un autre. Donc, il y en a cinq, il y a les altruistes, les sincères, les audacieux, les érudits et les fraternels. Les fraternels, ils sont bah, fraternels, donc ils sont gays entre eux. Les érudits, ils travaillent beaucoup, ils sont plus des scientifiques ou des savants, très dans ce style. Les sincères, ils ne mentent jamais, donc ça, c'est dans leur façon de voir. Ils disent que la vérité, bah, ça se dit, donc il est soumis à un sérum pendant un jour. Voilà. Les altruistes, ils vont toujours vers les autres. Et les audacieux, bah, ils ont de l'audace, quoi. C'est pas très compliqué. Je me meurs toute seule. Donc, ils ont de l'audace et ils font des choses un peu improbables, comme du combat et tout. Donc, il y a cinq facettes complètement différentes. Donc, à savoir si vous êtes plus érudit ou audacieux. Voilà. Donc, voilà. Donc Béatrice, elle passe un test et ce test n'est pas vraiment concluant. On va dire ça comme ça. Et ensuite, pendant la cérémonie du choix, ils doivent choisir quelle faction ils vont. Donc, Béatrice choisit une faction, je vous dirai pas laquelle parce que sinon ça sert à rien. Donc, elle choisit une faction. Et pendant l'initiation, on lui apprend que. Bah, déjà, il y en a certains, ils peuvent se faire virer de l'initiation et se retrouver avec les 100 factions qui sont des gens qui n'ont pas respecté assez leur faction et qui sont décidés de. Voilà, donc il y en a certains donc, qui sont délaissés complètement du côté. Et il y en a certains, ils préfèrent mourir que d'être sans faction. Je vais y arriver. Voilà. Donc elle a choisi ça et il y a quelqu'un qui va prendre le pouvoir. Et là, ça va faire un peu comme on appelle ça, un coup de. On peut appeler ça un coup de théâtre. Donc voilà. Et là, à partir de là, le monde va basculer, mais vraiment. Et donc je vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout vous dévoiler la fin et c'est pas le but du tout de cette vidéo parce que sinon je vous serais en train de vous dire ce qui se passe là-dedans et pas ce qui se passe dans le tome 1. Donc tout ça c'est pour en dire c'est que ce livre est vraiment très accrocheur même si au début de celui-là je me suis paumée parce que j'ai complètement oublié l'ancien, enfin le 1, donc enfin pas tout à fait mais gros. Donc j'étais un peu paumée au début, mais sinon ça va, il est vachement bien. Donc lui il est vachement bien, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action. Par contre en numéro 1 il y a un caractère qui a un peu changé, mais ça se comprend un peu, mais pas tellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire les tomes 1 ou la suite, parce que honnêtement les livres de la suite pour l'instant que je vous ai présentés, ils sont tous très bien. Donc sur ce je vous laisse, et bye!